Bonjour, je m'appelle Françoise Angelrand et ceci est mon histoire avec la fibrose pulmonaire idiopathique. Mon mari était malade, porteur de la FPI. Nous avons découvert la maladie suite à une grande fatigue qu'avait mon mari. Pendant 10 ans, je me suis occupée de lui, mais la maladie a évolué dans les 3 dernières années. Pendant plusieurs années, la maladie est restée stable et il a mené une vie tout à fait normale. On était toujours à faire des activités ensemble et ne pas baisser les bras. Ça, c'est très important. Suite au décès de mon mari en 2010, nous avons décidé, mes enfants et moi, de créer une association. Notre objectif, c'était que les personnes ne se sentent plus seules, parce que c'est un des gros soucis que nous avions, et pour aider les patients à avoir des informations aussi.